difficile d'être passé à côté du phénomène Pokémon. Qu'on soit joueur ou simple parent désemparé face à l'émerveillement générationnel des gamins de l'époque. Série de jeux vidéo certes, mais aussi une multitude de produits dérivés, qui ont pour certains une indépendance et une aura assez unique. Cartes à jouer et à collectionner dans la veine de Magic, dessins animés qui nous scotchent devant la télé les mercredis après-midi chez mamie, manga, peluche et jeux vidéo dérivés, Pokémon s'est incrusté un petit peu partout dans nos vies. On arrive aujourd'hui plus de 20 ans après les premiers jeux qui ont fait exploser ce qui est sans doute le plus grand phénomène de société venu du jeu vidéo. Et dans notre éternel questionnement un petit peu inutile, on s'est demandé, en fait, qu'est-ce que c'est Pokémon ? Sans parler de tout ce qui en découle, qu'est-ce que Pokémon a apporté au jeu vidéo ? Comment est-ce que la formule est restée à la fois la même et s'est renouvelée pour contenter autant les fans de la première heure qu'un nouveau public à convaincre ? Et surtout, pourquoi les jeux vidéo sont plus complexes que la réputation qu'ils se sont forgés ? En gros, on a voulu répondre à une question à la fois simple et très complexe, et comme c'est un gros morceau, on s'est dit qu'on allait faire bosser les copains. On a posé quelques questions à Lamèche, Elysion et Sliverick pour qu'ils nous donnent leur avis sur ce monument qu'est Pokémon. N'hésitez surtout pas à aller voir leurs chaînes YouTube respectives, les liens sont dans la description et on en reparlera à la fin de la vidéo. Bref, Pokémon, qu'est-ce que c'est ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixelisation. Pokémon n'a pas toujours été pensé comme le succès qu'il allait être, c'est même plutôt un miracle qu'il ait réussi à sortir du Japon, et même de voir le jour. En tout cas, la création de Pokémon est sujette à plein de légendes sur son créateur, et surtout d'où lui est venue l'idée d'une telle réussite. A l'instar d'un certain Miyamoto avec ses balades en forêt lui inspirant le tout premier Zelda, Satoshi Taijiri a conçu Pokémon grâce à son amour d'enfant pour les insectes, et plus particulièrement les criquets. Même s'il n'était pas destiné à faire du jeu vidéo, il finit par modifier l'activité de son magazine Game Freak pour un studio de développement en 1989. Après quelques projets pour Nintendo, Taijiri découvre la Game Boy et décide encore une fois, selon la légende, de créer Pokémon en ayant vu un criquet marcher le long d'un câble Link. De là à dire que Pokémon est la matérialisation d'une volonté d'une divinité criquet, il n'y a qu'un pas, qu'on ne franchira pas. Sauf qu'à l'époque, on est en 91, et si vous vous y connaissez un peu, Pokémon sort en 1996 au Japon. 5 ans de développement, pour l'époque, c'est assez long, c'est même le développement le plus long d'un jeu Nintendo de cette période. D'ailleurs, même si produit par Miyamoto assez tôt dans le développement, les droits leur seront attribués seulement parce qu'en 1995, Game Freak frôle la faillite, et ce, malgré tous les efforts des devs en supprimant leur salaire. Creature, un studio dépendant de Nintendo, finit par sauver le projet et la boîte en échange d'un tiers des droits de Pokémon, mais le jeu n'est pas pour autant tiré d'affaires. À la sortie de Pocket Monster vert et rouge, Nintendo n'y croit plus. La publicité est nulle pour éviter de perdre trop d'argent, et c'est avec un miracle qu'on appelle aujourd'hui hype que Pokémon va embraser le Japon quelques semaines après sa sortie. Le bouche à oreille d'une part, mais surtout un magazine relatant d'une rumeur sur un 151e Pokémon va lancer les masses à se procurer le jeu et à se lancer dans l'aventure. Succès au Japon certes, mais plus sceptique qu'une fausse, Nintendo ne croit pas à la réussite en Occident d'un RPG sur une console vieillissante. Quand en 1998 toutes les filiales de Nintendo sont occupées à vendre des Nintendo 64 face au monstre PlayStation, faire la pub d'un jeu japonais obscur sur une console destinée à mourir ne les tente guère. Mais ils se lancent quand même à corps perdu, à grand renfort de produits dérivés faisant office de plan marketing, mais surtout une nouvelle mouture pour les versions japonaises, devenant ainsi Pokémon bleu et rouge. Et le tambourinage fonctionne en Amérique du Nord comme en Australie avec la série animée, le manga et bien entendu les cartes. À l'époque, on mange, on boit, mais surtout on joue à Pokémon, et dans tous les sens du terme. Et en France, Pokémon a beau percer, le sujet est boudé par tout le monde, et même par la presse, mais heureusement pas par les joueurs. Mais au fait, Pocket Monster vert et rouge, ou Pokémon bleu et rouge chez nous, pourquoi ça a eu autant de succès ? Eh bien il serait facile de le résumer en deux mots, son game design. Bien entendu il n'y a pas que ça, et Sliverick vous le rappellera. Mais avant toute chose, la qualité du jeu est incroyable. Pour commencer, et ça coule de source, Pokémon est un JRPG, à une époque où Final Fantasy VII est un carton, où Square tape un peu partout, et arrive à transposer ses JRPG tels quels en Occident et surtout en Europe. Le choix est d'autant plus judicieux puisqu'il met en avant l'évolution au sens littéral comme au sens figuré de ces bestioles. De cette même manière, Game Freak, non content d'avoir incorporé 150 bestioles sur une cartouche, il pense au fait que naturellement, chaque Pokémon se doit d'être unique. Non pas qu'un Pikachu est différent d'un Rattata, c'est assez logique, mais plutôt qu'un Pikachu est différent d'un autre Pikachu du même niveau. Mécaniquement, ce sont des valeurs qui vont déterminer l'unicité d'un Pokémon statistiquement parlant. Si aujourd'hui on connaît le système 10V pour Individual Value et 2V pour Effort Value, avant la 3G, on appelle ces valeurs les DV, pour Determinant Value. On va pas vous détailler tout le processus, mais cette simple valeur est extrêmement intéressante pour justifier la génétique propre à son monde et donc lui donner de la consistance. Mais on parle beaucoup des mécaniques,
mécaniques, et pas assez des bestioles en elles-mêmes, qui sont de très jolies variations d'objets et d'animaux en lien avec leur propre personne, comme on pourrait le faire en taxonomie. Les noms ont une importance capitale, ne serait-ce que pour s'y retrouver facilement parce que souvent littéral. Grotanmorph, tout est dit. L'évolution des bestioles renforce encore plus leur personnalité, et donne même déjà en 1G une jolie disparité de façon de grandir. Et une autre mécanique intéressante découle des Pokémon, les types. Si ce n'est pas novateur d'utiliser des faiblesses élémentaires dans un JRPG, leur nombre et la justification est assez incroyable et permet à chaque gamin de s'y retrouver assez facilement, même s'il fallait de la jugeote. De ce système élaboré en découle une gestion assez bonne de l'équilibrage, le dernier casse-tête des développeurs. Même si on est assez loin des techniques d'aujourd'hui pour équilibrer un jeu, le jeu renforce l'idée qu'on puisse se faire son équipe indépendamment de sa puissance. Mais ce qui a sans doute donné le plus d'intérêt à Pokémon, ce n'est pas une mécanique interne, c'est l'idée d'échanger avec les autres. Renforcé par la construction en deux versions différentes avec des Pokémon exclusifs à l'une et à l'autre, voulu par Miyamoto d'ailleurs, c'est ce qui va donner de l'ampleur au phénomène, qui devient alors autant une expérience sociale que vidéoludique. Certains Pokémon sont même pensés pour évoluer seulement avec l'échange, histoire de pousser les plus réticents à s'y essayer. Mais que seraient Pokémon et ses bestioles sans un monde à explorer avec ? Sa configuration est très bien pensée, et permet dans une cartouche pleine à craquer, et pas que de level design, une progression non linéaire et qui récompense l'exploration. Même si l'utilisation des CS est devenue une tare, à l'époque on explore un peu comme on veut sans jamais se sentir frustré. Mais c'est aussi une structure faite d'arènes à combattre pour obtenir des badges et une fois tous récoltés, s'attaquer à la ligue Pokémon et devenir le maître dresseur. Ce sont les bases mises en place par Pokémon Rouge et Bleu, à peine améliorées par la version complémentaire, la version jaune. Le principe de la version complémentaire est en quelque sorte une version ultime, pas forcément très différente des versions de base, qui va cependant perdurer quelques générations et parfois avoir un réel intérêt. Ce que je préfère avant tout dans Pokémon, c'est vivre une aventure. C'est-à-dire vraiment, je commence dans mon petit village, dans ma petite maison tranquillou, et puis au final, 50 heures après, je vais être le maître de la ligue, et puis j'aurai vécu plein d'aventures. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, vraiment, c'est vivre une aventure. Mais ce que je préfère avant tout, c'est au-delà même de vivre l'aventure, c'est de pouvoir la vivre comme j'en ai envie. C'est-à-dire, si j'ai envie de devenir maître de la ligue et de faire toute mon aventure avec, dans mon équipe, uniquement un Chenipan et un Magikarp, certes, ça va être compliqué, mais je peux, le jeu me permet de le faire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est vraiment vivre une aventure qui est peut-être basique en soi dans l'absolu, mais la vivre comme j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire avec tous les Pokémon que j'ai envie d'avoir dans mon équipe, que peu importe les générations si possible, voilà, c'est vraiment m'imposer des défis si j'en ai envie, par exemple, comme je disais, certains Pokémon précis, voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans l'aventure dans Pokémon, c'est vivre une aventure, mais les vivre à ma manière, parce que le jeu le permet. Alors ça a changé depuis, mais ce que j'aimais dans Pokémon, c'était le sentiment de découverte. Sur quel Pokémon tu vas tomber, les dresseurs, à quoi ressemblaient les champions d'arène, c'était captivant. Comme ils le disent si bien, découle de ces mécaniques une aventure unique que chacun se construit sur les découvertes d'un univers cohérent et dense pour un jeu Game Boy. D'aussi loin que je me souvienne, partager mon expérience Pokémon avec mes amis ou des membres de ma famille est quelque chose qui augmentait l'expérience déjà prenante en solo. Mais comment en est-on arrivé à jouer à Pokémon ? Alors ce qui m'a amené à Pokémon, c'est le dessin animé. Évidemment, je connaissais Pokémon avant, j'avais vu les pubs à la télévision. Au collège, il y avait pas mal de gens qui en parlaient, hein, c'est évident. Hein, en fin 99, c'était le début de la folie Pokémon. Mais le dessin animé passait à l'époque sur Fox Kids, mais j'avais pas le câble. Et finalement, c'est le 2 ou 3 janvier 2000 que le premier épisode a été diffusé sur TF1. Et j'ai bien aimé. J'ai continué à regarder et puis je me suis dit, bah, c'est plutôt cool. Au finalement, au bout de quelques épisodes, avec un peu d'argent qui me restait de Noël, bah j'ai acheté le jeu et finalement c'est comme ça qu'en janvier 2000, grâce au dessin animé, eh bien j'ai commencé à jouer à Pokémon Rouge. Aussi loin que je me souvienne, les premiers packs que j'ai eu avec Pokémon c'était Pokémon Stadium sur Nintendo 64. C'était un jeu plutôt sympa, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais j'étais pas plus intéressé que ça dans Pokémon parce que j'avais déjà découvert le monde incroyable de Mario 64 et Pokémon je suivais de loin. Il a fallu attendre Pokémon Jaune et ma première cartouche offerte par mon cousin pour que je puisse enfin jouer un Pokémon de la série originale. Bon, la pile de sauvegarde marchait plus, du coup, arrivé à Carmin-sur-Mer, j'étais déjà à 50 heures, et j'ai jamais pu le finir puisque j'ai dû lui rendre.
tout simplement. Le premier jeu Pokémon, vraiment Pokémon, que j'ai fini, c'était Pokémon Emerald sur Game Boy Advance. C'était une cartouche craquée que j'avais trouvée dans un Easy Cash à 5€. Et je l'ai encore, ça fait 10 ans maintenant. Et dedans, il y avait Pokémon Emerald. Pokémon Emerald en anglais. C'est le premier jeu Pokémon que j'ai fini. Et avant de me lancer pleinement dans Pokémon Emerald, j'en avais jamais fait un seul. Et puis ensuite, je me suis farci tous les autres qui ont suivi, ceux qui étaient avant, jusqu'à Soleil et Lune. Je suis tombé dans le phénomène Pokémon quand j'étais petit, avec la sortie du dessin animé en Europe. Peu après, c'était Pokémon Jaune et le jeu de cartes. C'était la première fois que je plongeais autant dans un monde fictif. Dessin animé, spin-off, jeu de cartes, Pokémon est indissociable de son univers étendu. C'est le marketing de Nintendo qui nous a quasi tous amenés vers Pokémon à notre époque. Et pour tout vous dire, il a été extrêmement efficace, malgré la réticence de tout le monde de promouvoir un jeu Game Boy, console déjà datée au début des années 90, et qui aura pourtant une longévité incroyable grâce à Pokémon. Son univers, clairement. La variété des Pokémon, la technologie en avance et la vision très optimiste de l'humanité en harmonie avec la nature. Mais j'aime aussi les côtés plus obscurs qui ressortent dans le manga qui suit les histoires des jeux vidéo. Il y a des Pokémon qui meurent et les combats contre des criminels consistent non seulement à mettre KO son Pokémon mais aussi à se protéger soi-même contre les attaques de son Pokémon. Oui oui, je recommande ce manga à tout le monde. Chose assez incroyable, c'est que tout cet univers étendu et surtout transmédia comble les failles de développement du jeu, notamment des choix quant au dynamisme des combats, des détails sur la vie des Pokémon et j'en passe. Même si par la suite on va réduire Pokémon à son média d'origine, à savoir le jeu vidéo, il n'évolue cependant pas seul, mais en parallèle d'autres univers qui font que Pokémon est un monde complet et détaillé malgré quelques incohérences. Mais la suite des jeux va changer beaucoup de choses dans la licence, et ce, exclusivement pour le meilleur, ce qui est assez rare, il faut l'admettre. Pendant que les Français venaient à peine de découvrir Pokémon bleu et rouge, au Japon sort le 21 novembre 1999 les versions or et argent, dans une région plus grande et avec pas moins de 100 bestioles en plus. La formule est quasi ton pour ton la même que les versions rouge, bleu et jaune, et a le mérite d'apporter une nouvelle région, des améliorations de gameplay et surtout une réelle suite chronologique à Pokémon jaune. Le jeu était tout ce que j'aimais dans Pokémon jaune, mais en mieux, avec plus de contenu, plus de défis, plus d'histoire. Et une continuité, on avait l'impression de jouer la suite avec des lieux impacté par les actions de notre ancien personnage. Enfin, l'extension officielle du Pokédex m'a fait comprendre qu'il existait une infinité de Pokémon différents à découvrir et que j'étais libre de créer les miens. Croyez-moi, certains feraient mieux de ne jamais être révélés. C'est l'arrivée d'une horloge interne au jeu, proposant un cycle jour-nuit très bien utilisé, notamment pour l'évolution, mais aussi l'apparition d'événements, nous confortant dans l'idée que le monde continue de vivre sans nous. Or et argent améliorent l'identité propre à chaque Pokémon, avec un sexe attribué selon le Determinant Value, qui amène aussi la reproduction des Pokémon. Grâce à la pension, deux Pokémon de sexe différent et du même groupe d'œufs pourront avoir un bébé Pokémon de l'espèce de la femelle. Apparition également des Shiny ou Pokémon chromatiques qui, à l'époque, étaient plus puissants car aussi basés sur CDV. On change aussi les statistiques des Pokémon en séparant le spécial en attaque spéciale et défense spéciale, sans oublier l'ajout de deux nouveaux types pour répondre à des besoins d'équilibrage. Équilibrage qui, d'ailleurs, ne bougera pas du côté des types avant la 6ème génération. Petite nouveauté stratégique qui est la possibilité de faire tenir des objets aux Pokémon. Voilà, c'est pas grand chose, mais mine de rien, ça a changé tout un pan de Pokémon à savoir sa compétition. Avec l'arrivée de Crystal, on a aussi moyen de choisir le sexe de son personnage, et c'est à peu près tout pour la 2G. Les Pokémon est sur la pente ascendante et ne compte pas s'arrêter aux évolutions apportées à la formule avec or et argent. C'est en 2002 au Japon et en 2003 chez nous que voit le jour une troisième génération de Pokémon, avec cette fois-ci une toute nouvelle région séparée des deux précédentes. Ruby et Saphir, puis Emerald, vont continuer le travail de peaufinage et vont fixer Pokémon dans ce qu'il sera pendant la décennie à venir. Pokémon Emerald, il était en anglais, je comprenais quasiment que dalle, mais j'ai quand même fini le jeu et c'est lui qui m'a fait aimer le monde Pokémon. Certains personnages qui respiraient complètement le charisme, comme Aragorn du Conseil des Quatre, le Maître Dragon, torse-poil, la veste qui atteignait jusqu'en bas, ce mec-là avait un charisme alors que c'était la première fois que tu le voyais. Même certains Pokémon qui avaient une certaine classe, comme Sévipère, Brasgali, et les musiques de Pokémon Emerald, les fameuses trompettes qui sont encore gravées là-dedans aujourd'hui. Et évidemment, la zone de combat qui a été mes premiers pas dans la stratégie. Bon, c'était pas fameux, mais clairement, ça valait le détour.
En réalité, les améliorations sont beaucoup plus discrètes dans cette génération, mais ne restent pas moins qu'en plus d'une très grande classe, ces versions sont d'excellents jeux. Première amélioration et la plus notable, les combats doubles. Dit comme ça, ça va vous étonner, mais en réalité, c'est une révolution à l'époque. Stratégiquement, les combats doubles sont excellents, et tant mieux que ce soit devenu le format de combat pour les compétitions. Et mécaniquement parlant, même si au final assez peu nombreux, c'est assez bien maîtrisé, surtout avec l'ajout de tout un tas de compétences qui y sont liées. Deuxième point très intéressant, c'est encore une fois l'individualité qui est renforcée en la présence de nature modifiant les statistiques, et des capacités spéciales qui peuvent différer entre les Pokémon d'une même espèce. Les natures sont des marqueurs pour différencier les Pokémon comme les IV et les EV. Quant aux capacités spéciales, ce sont des passifs parfois en combat, mais aussi parfois hors combat. Aujourd'hui, ces deux composantes peuvent à elles seules déterminer si un Pokémon est viable en stratégie, c'est dire leur importance. Et comme nous l'a dit Elysion, l'ajout d'un véritable late game plus stratégique en la présence de la zone de combat est une très bonne évolution. Je pense qu'il est assez intéressant de se poser un peu là-dessus, parce que Pokémon, niveau combat, a rarement été un véritable challenge pour celui qui connaissait bien le bestiaire et montait bien ses Pokémon. Avec les zones de combat, on zappe complètement l'idée du niveau en les mettant tous au même stade, forçant les joueurs les plus fainéants à repenser toute leur stratégie et donc à combattre de façon plus équitable qu'avec un Rayquaza qui défonce la ligue avec colère. On a encore plus la volonté de diversifier le monde de Pokémon et l'aventure proposée avec notamment les concours, qui sont, comme dans l'animé, une toute autre quête, moins développée certes que la quête de la ligue Pokémon. Il est assez rare à l'époque qu'une série réussisse autant ses améliorations et ses changements. Ils sont certes pour la plupart mineurs, mais ont participé à transformer la saga en un indispensable avec un game design toujours meilleur. Pokémon entre donc dans une phase un peu plus tranquille, temps pour nous de parler un peu des spin-offs et d'une tendance qui commence à pointer le bout de son nez, les remakes. Entre Pokémon Ruby, Saphir et Emerald sort ce que l'on appelle un remake, une réécriture des deux premières versions sur Game Boy Advance, à savoir Rouge-Feu et Vert-Feuille. Ce besoin de refaire en mieux ce qui a déjà été fait correspond à une sorte d'apogée qui a été atteint dans le game design de Pokémon, et donc d'y appliquer cette formule à des jeux qui ont été limités par le hardware et les décisions de l'époque. Rouge-Feu et Vert-Feuille, c'est donc les remakes des premières versions japonaises, Vert et Rouge, et qui dit remake dit changement. Pas question de retourner aux 150 Pokémon d'origine, autant prendre la génération en cours et en rajouter quelques petites choses pour justifier le remake, et pas seulement une amélioration graphique. En réalité, rien de bien nouveau dans chacun des remakes, qui sont au nombre de 4 à ce jour, dont un remake de la première génération avec les intéressants mais pas très recherchés Let's Go Evoli et Pikachu. Je trouve que les remakes sont souvent bons, même si cela pose quelques questions au niveau de la cohérence de l'univers. Je reviens sur ce que je disais par rapport à la méga évolution. Elle était censée être exclusive à Kalos, mais on la retrouve ensuite à Hoenn dans les remakes pour des raisons de gameplay. Et je ne parle même pas du retour de la mécanique dans la génération suivante, puis de sa disparition annoncée de la génération à venir. Je pense que c'est un bon moyen de garder les fans nostalgiques qui ont envie de retrouver les sensations et les découvertes de l'époque. Après tout, c'est les enfants qui ont le plus grandi qui sont le plus à même de dépenser leur fric. Mais aussi un tout petit peu casse-gueule, parce que tu vas pas juste reprendre le même jeu et faire un lissage HD. C'est complètement con, faut que tu t'adaptes à la génération. Et honnêtement, celui qui a le plus souffert de ça, s'adapter à la génération à laquelle il est sorti, c'était Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille. Parce que Rouge et Bleu, finalement, sont assez vides. Le post-league, il n'existe pas. C'est, t'as fini Rouge et Bleu, tu prends ta cartouche et tu la mets au placard. Plus jamais tu ne pourras y retoucher. Et c'est les premiers. C'est les premiers qui ont souffert de ça. Parce que par la suite, il y a eu Argol et Soul Silver, il y a eu Saphir Alpha et Ruby Omega qui, eux, étaient bien plus complets. Ça fonctionnait bien mieux. Ils avaient plus de contenu, c'était bien mieux amené. Et il y avait une suite après la ligue. Une vraie suite. Du coup, il y avait encore moyen d'y jouer plus d'une vingtaine d'heures, au moins. Rallonger la durée de vie d'un jeu comme Pokémon, surtout un remake, c'est primordial. Autant pour les vieux de la vieille qui veulent juste retrouver les sensations de l'époque, que pour les jeunes qui découvrent la licence. Alors, comme un gros pigeon ou un gros fan, hein, c'est à voir, j'ai acheté tous les remakes et j'y ai tous joué à tous les remakes Pokémon. Pokémon Rouge Feu, vraiment, je le trouve très réussi. C'est une belle revisite de la première génération, avec un vrai bel ajout en post-game, avec toutes les îles à parcourir, des passages scénarisés et puis même des changements, hein, mine de rien, avec la version rouge par exemple de base, comme Sulfura qui est plus du tout sur leur victoire mais qui est dans une grotte particulière sur ces îles par exemple. Il y a aussi des Pokémon d'autres générations qui sont présents sur ces îles. Il y a même la pension qui évidemment n'était pas présente à l'origine. Donc je trouve ça vraiment bien, je trouve que c'est un très bon remake. Ensuite, Earth Gold, Soul Silver,
ça, c'est l'un des meilleurs jeux de la franchise, tout confondu. Donc vraiment, ça doit être un remake que je trouve exceptionnel, je trouve vraiment très très bon. Même s'il a les défauts, enfin pas tous, mais il a quelques défauts qu'il a conservés de la version d'origine, notamment le niveau des dresseurs avant les arènes qui sont beaucoup trop bas par rapport aux champions, ce qui fait que c'est ridicule pour s'entraîner. Et aussi les CS qui sont toujours présentes, et ça je trouve ça ridicule, parce que c'est qu'une vraie plaie. Ensuite il y a Rosa, alors il faut savoir que Ruby Omega, Sapphire Alpha, Rosa qui sont les remakes de la 3ème génération. Il faut savoir que la 3ème génération, c'est l'une des générations que j'aime le moins. Mais j'ai fait Rosa avec plaisir, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai joué, une bonne cinquantaine d'heures, voilà, c'était très plaisant. Mais voilà, c'est-à-dire que je... Voilà, sans plus, il y a beaucoup... Pour reprendre l'hygiène, il y a beaucoup trop d'eau à ON, et moi ça me gêne, surtout encore une fois avec tout ce système de CS. Et pour Let's Go, parce que faut pas oublier que Let's Go reste un remake, et surtout... C'est un remake très feignant, et si j'avais pas eu un prix plutôt bas, j'aurais pas pris du tout. Et surtout si on n'avait pas réussi à me le vendre un peu, si j'avais pas vu les... Pour le coup, c'est le seul Pokémon où j'ai regardé des let's play avant d'y jouer. Et je trouvais qu'il y avait quand même certaines mises en scène qui étaient intéressantes et rigolotes pour permettre de redécouvrir l'univers Pokémon. Donc c'est un remake feignant, il est pas incroyable, en vrai il est pas tant cool que ça. Mais ça reste plaisant, mais en vrai, en toute honnêteté, si on a plus de 6 ans, ça vaut pas vraiment le coup. Pokémon a toujours essayé d'entretenir une fanbase assez forte, et a même assez souvent répondu aux intégristes de la première génération. Et si j'ai toujours préféré jouer au remake plutôt que de ressortir mes vieilles versions, c'est peut-être parce que je suis public de cette nostalgie remise au goût du jour. Cela étant dit, la cohérence est alors une question qui se pose, est-ce que Pokémon est censé se dérouler dans un seul et même univers? Dans ce cas, comment justifier l'apparition de certaines bestioles et pas d'autres alors qu'elles existent, notamment en Johto et Kanto qui sont limitrophes? A mon humble avis, il n'est pas idiot de considérer que les remakes sont là pour remplacer dans le canon la version d'origine. Mais en continuant à écrire par-dessus avec les générations suivantes, c'est une direction qui ne s'arrêtera jamais. Les remakes posent des problèmes de cohérence, et malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Il y a cependant un virage de sortie assez intéressant qui survivra quelques générations, avec en plus du trio de versions sur une même génération, un remake qui accompagnera le reste. On se souviendra du combo X et Y et Ruby Omega Sapphire Alpha avec lesquels tous les Pokémon étaient capturables. En tout cas, je crois que le peuple a parlé, HeartGold et SoulSilver, meilleur remake, si ce n'est meilleur jeu. Comme quoi, il n'y a parfois aucun mal à réécrire, pour peu que ce soit pour le mieux et pas seulement pour les nostalgiques. On en a déjà parlé un peu, Pokémon c'est aussi beaucoup de choses autour. Si dès le début on a eu des jeux pour soutenir les ventes des jeux principaux, comme par exemple les Pokémon Stadium et Colosseum, on n'en parle que maintenant parce que c'est avec la 3ème génération qu'on commence à avoir d'autres idées portées à la sauce de Pokémon, qui pourraient se tenir à elles seules. Bon, en vrai on en parle surtout parce que c'est à ce moment-là que sort Pokémon Donjon Mystère, mais c'est aussi parce qu'on dépasse le délire d'un Pokémon Pinball et qu'on va au-delà du simple produit marketing. Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, y a pas de débat possible. Ranger c'était peut-être cool, mais Donjon Mystère c'était le RPG qui m'a fait dire ça, c'est un monde Pokémon sans être humain, et si ça existait en tant que série principale, je l'aurais accepté. Et ça marche. Bon, évidemment ça manque de réalisme, on va pas mettre un jeu Pokémon PEGI 18, mais clairement les Donjons Mystères, faut y jouer. Même sans être fan de Pokémon, Donjon Mystère c'est une saga tout bonnement géniale. J'ai commencé avec Équipe de Secours Bleu sur DS. J'ai pas encore attaqué les récents, mais je suis resté sur Explorateur du Temps, de l'Ombre et du Ciel. Et clairement, ces deux formats-là, c'est-à-dire Équipe de Secours Rouge et Bleu et les Explorateurs du Temps, il faut y jouer. Ce sont de très bons jeux. Je jouais parfois à Pokémon Stadium, puis Stadium 2 quand j'étais petit, et je trouvais la possibilité de pouvoir choisir ces Pokémon parmi le Pokédex complet de l'époque, et pouvoir jouer contre un ami faisant pareil, très intéressant. On passait beaucoup de temps à se faire des défis, des monotypes et d'autres matchs spéciaux. Je n'ai plus retrouvé cet aspect du jeu malgré tous mes espoirs lors de l'achat de Pokémon Colosseum. Je retrouve maintenant cette idée, poussée à l'extrême grâce à la customisation absolue sur Pokémon Showdown par contre. Sinon, j'ai été très agréablement surpris par Pokken. On y retrouve de nombreux Pokémon différents, mais pas assez bien sûr, et des combats dynamiques. Si c'était possible de jouer à un RPG Pokémon avec ce système de combat, je pense que Pokémon atteindrait un nouveau pic de popularité. Alors je joue très peu aux spin-off Pokémon, moi je joue surtout aux jeux, on va dire, canon, aux jeux de génération. J'ai beaucoup aimé Pokémon Colosseum sur GameCube, parce qu'il y avait une vraie aventure, il y avait un vrai scénario, une vraie aventure. Il y avait peu de Pokémon,
mais je trouvais ça vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, mon but, c'est aussi de faire des aventures. Mais là, comme c'était un spin-off et pas un jeu principal, j'ai eu aucun souci à ce qu'il y ait, pardon, uniquement quelques Pokémon et pas tous. Donc c'est un des rares spin-off auquel j'ai joué, et pour le coup, j'ai vraiment été agréablement surpris. C'est-à-dire que les Pokémon Pinball ou autres, par exemple, je m'en moque, c'est des spin-off, mais c'est plus des jeux un peu sans plus, quoi. Et la preuve que j'ai pas vraiment joué au spin-off, hein, c'est qu'on peut voir que j'ai encore du Donjon Mystère et du Ranger sous blister. Voilà, c'est pour dire que j'ai même pas pris la peine de les ouvrir. Donc bon, les spin-off, c'est malheureusement pas trop mon truc. Les spin-off Pokémon est quelque chose de dispensable, mais qui ont le don de plutôt bien bosser leur game design. Ainsi, même si Donjon Mystère popularise chez nous des types de jeux comme Chocobo Dungeon et la variation pour Dragon Quest, Pokémon Ranger et même Rumble sont plutôt intéressants et uniques. Pas non plus au niveau des spin-off de l'univers de Mario, les quelques sagas reprenant Pokémon ont réussi, comme pour son marketing de manière générale, à transposer Pokémon dans un univers étendu où les limitations de gameplay ne sont plus un souci. Souvent fini le tour par tour assez rigide, place à des jeux dont le mouvement donne vie aux Pokémon et à un monde souvent trop peu décrit dans la saga principale. Loin d'être tous intéressants pour le profane ou même le fanboy lambda, ils sont pourtant un incroyable moyen de sortir Pokémon et ses spécificités de son moule assez stable qui ne changera sans doute jamais. Proposer une aventure plus scénarisée ou passer du côté des Pokémon pendant un temps aura réussi à conquérir le cœur de certains fans, voire à transcender la série principale en lui donnant un petit coup de boost dont elle va avoir besoin par la suite. On arrive à l'époque de la DS, et même si la 4ème génération a encore le vent en poupe, tout est assez stable et commence à être décrié par certains. Le cycle jour-nuit fait son retour, mais c'est aussi un changement majeur au niveau des capacités qui arrive avec Tiplouf et ses compères. Avant, la statistique d'attaque ou d'attaque spéciale était utilisée selon le type. Par exemple, une capacité de type feu utilisait l'attaque spéciale, et une capacité de type acier utilisait l'attaque du Pokémon. Disparition de ce système qui rend notamment viable les points feu, glace et éclair, en attribuant à une capacité, un type de dégâts, physique ou spécial, en plus du type élémentaire. Mais à part les quelques 107 nouveaux Pokémon et une refonte très bonne du système de concours, rien ne change, si ce n'est en fait les rencontres. Avec de nouveau une console portable et novatrice tant sur le concept que la connectivité, cette génération voit arriver le Wi-Fi et tout ce qui s'ensuit au niveau des échanges et des combats. On perd cette idée de proximité, mais en dépassant notre cadre social restreint, on se rend compte que Pokémon est vécu partout dans le monde, et de manière différente. Mais c'en est aussi fini des câbles Link qui ajoutaient un coût aux joueurs pour au final seulement Pokémon et quelques autres jeux, le multijoueur se faisant de plus en plus facile et même parfois automatique. Et on a failli l'oublier, mais les souterrains de Sinnoh est une expérience incroyable qui restera à jamais dans nos mémoires. J'ai été un peu déçu pour la 4ème génération. Alors, là c'est une anecdote que j'ai jamais racontée qui est un petit peu étrange. Il faut savoir que quand le jeu est sorti, genre le fin juillet 2007 en France, je l'ai acheté le jour de sa sortie, donc un vendredi. Et le lundi matin, j'avais déjà plus d'une quarantaine d'heures de jeu, donc j'avais beaucoup joué. Et finalement, j'ai un peu lâché, parce que il y a un rythme qui était lent, bref, c'était un peu... Et après une bonne cinquantaine d'heures de jeu, j'ai un peu lâché. Mais pas qu'un peu, même en vrai, parce que finalement, depuis, hein, et donc j'ai uniquement fini l'année dernière, en 2018, j'avais arrêté juste après le 8ème badge, un peu avant la route victoire. Et en 2018, je me suis dit, tout de même, c'est quand même ridicule, avec tous les jeux Pokémon auxquels j'ai joué, il serait peut-être temps que je finisse un jour la version Diamant que j'ai commencé il y a 11 ans. Et donc, je l'ai fini, mais alors vraiment, hop, j'ai fini la ligue, j'ai même pas fait le post-game, voilà, c'est pour dire à quel point le jeu m'a saoulé. Mais voilà, donc j'ai mis 11 ans à finir Pokémon Diamant, au moins je l'ai fini, et c'est la seule version qui m'a un peu déçu. Et le sentiment qu'a eu la mèche sur cette génération est un peu le ressenti global qu'auront la plupart des gens avec la génération suivante, celle de noir et blanc. Cette génération, pourtant excellente, est la première sonnette d'alarme pour Game Freaks à cause d'un certain ras-le-bol de changements au final trop minimes. Encore une fois, la connectivité de la DS est mise à contribution, et le Seguir, qui permet de se croiser partout en Unis, est un très bon héritier des souterrains. Sauf que Pokémon n'a pas tant changé que ça en 15 ans d'existence. La seule véritable nouveauté est dans la construction des versions, avec une réelle
ensuite à l'aventure de base avec les versions noir et blanc 2. Choix étrange certes, mais plus intéressant qu'une simple version ultime de l'histoire. Les poncifs de la série ont été poncés jusqu'au maximum, n'atteignant jamais les ventes des versions bleues et rouges, faisant de cette cinquième génération la moins vendue sur ses versions d'origine, et ce, malgré une base toujours aussi solide et une histoire tout en maturité. La période DS est d'ailleurs une réelle volonté d'ancrer Pokémon dans autre chose qu'une quête de la Ligue, d'autant plus flagrant sur noir et blanc, chose que continuera Game Freak sur les générations à venir. Changement de console pour la prochaine génération qui va donc devoir relever le défi d'apporter de réelles améliorations à une base qui reste trop sur ses acquis, pour un public qui a besoin d'un peu d'originalité. Pokémon X et Y sortent en 2013 avec une volonté de dynamiser son socle vieillissant, et il faut le dire, daté. Si en 1996 un JRPG de cette envergure est légitime, en 2013 sont déjà sortis des jeux comme Radiant Historia, les Mario & Luigi et les Golden Sun. Autant vous dire que niveau RPG console portable, il y a eu du progrès et pose à Game Freak le défi de se mettre à niveau. Défi qui est pourtant clivant pour certains joueurs, critiquant une 3D moyenne et surtout n'acceptant pas tellement certains ajouts. C'est le cas des Mega Evolutions, présentant comme étant une mécanique biologique propre à Kalos, elle permet le temps d'un combat à un Pokémon d'évoluer au-delà de son stade habituel. En gros, c'est un Digimon. Scénaristiquement cohérent avec une histoire qui se veut encore un peu plus mature sans réellement le réussir, c'est une mécanique qu'au final tout le monde finit par accepter. D'autant que Game Freak a l'intelligence de centrer cette mécanique sur une majorité de Pokémon populaires comme Dracaufeu et autres Pokémon de la première génération. Il y a aussi l'apparition du type fée pour contrer le type dragon un peu trop tranquille avec sa faiblesse à la glace. Et c'est à peu près tout pour les changements. Mais je pense que là où vraiment ça a commencé à sentir le roussi, c'était Pokémon X et Y. Bon, les premiers jeux Pokémon 3D de la licence, et c'était une catastrophe. Le fait que c'était tourné en espèce d'Animal Crossing, avec les chibis qui changent d'apparence pour le look, les combats en 3D qui mettaient à genoux la console sur un combat 1v1, c'est dire à quel point, et les nouveaux monstres qui étaient annoncés. Parce que, bon, tout le monde te sortira Trousselin. Et j'ai envie de te dire, pourquoi on ne sortirait pas Trousselin ? Genre, un Pokémon porte-clés ? Sérieusement ? Et je dis pas, il y en a des Pokémon assez stylés, mais en général, j'ai trouvé la 6ème génération plutôt moche. Les méga évolutions, je me souviens que la première méga évolution que j'avais vue, c'était Mega Mewtwo, c'était à la télé, je crois, ou Mega Dracaufeu, et j'ai tout de suite éteint la télé. Mega Dracaufeu est plutôt classe, mais Mega Mewtwo, les deux Mega Mewtwo, ils l'ont complètement charcuté. Mais j'ai pas abandonné. Clairement, j'ai pas abandonné après X et Y, parce qu'il y a eu les remakes Saphir Alpha et Ruby Omega. On nous annonçait de nouvelles méga évolutions, comme Méga Roux Carnage et Méga Dardarmian. Rien que pour citer que, bah, c'était le feu. C'était les Pokémon de la première génération qui reviennent sur le devant de la scène, et beaucoup plus stylés qu'avant, clairement. L'accueil est mitigé, et pour cause, Game Freak se refuse à sortir une version complémentaire ou même une suite, et préfère passer sur les très bons Ruby Omega et Saphir Alpha, malheureusement des remakes. En 2016 sort donc Soleil et Lune, la fameuse 7ème génération, qui devait continuer son lot de changements et qui encore une fois divise les fans. Et puis il y a eu Soleil et Lune. Là j'ai lâché. Bon, ça a tenté des choses originales, je le dis pas, on a viré les arènes pour remplacer par les Pokémon dominants. Ok, pas de problème. Sauf que t'as gardé le conseil 4, t'as gardé le maître de la ligue, tu as fait en sorte que tu te fasses soigner tous les 15 mètres, les nouveaux Pokémon étaient quand même bien cool, mais il y en avait qui étaient franchement dégueulasses. Le niveau de tous tes Pokémon qui étaient au-dessus de celui du Pokémon dominant si tu n'avais affronté que tous les dresseurs, et la difficulté ridicule, parce que c'est même pas une histoire de stratégie ou quoi, on augmente artificiellement les stats de tes Pokémon. Enfin, les stats des Pokémon adverses. On augmente artificiellement les stats des Pokémon adverses pour te donner un sentiment de difficulté. Gettys dans Noir et Blanc, il avait pas besoin de boost de stats pour te faire claquer du cul à la fin de Pokémon Noir et Blanc. Red, il avait pas besoin d'une attaque Z pour te faire dire « Hey, fais gaffe, ce Pikachu là, avec Electacle, il pourrait peut-être faire mal. » Une courbe de difficulté ridicule et finalement une tentative qui s'est transformée en véritable feu de paille avec Ultra Soleil et Ultra Lune. On vous a remis vos méchants là, vos merdes de méchants là, donc c'est bon, tu vas acheter notre jeu. Non, absolument pas. Le post-league qui dure 2 heures. Ouais, c'est des méchants, ils viennent de dimensions où ils ont réussi. Ouais, la team Rainbow Rocket. Non, clairement pas, non.
Pour une fois, Pokémon et Game Freak osent s'attaquer à la structure de Pokémon. Ils en finissent avec les arènes et placent la région d'Alola comme n'ayant pas accès à ce délire de maître de la ligue. Les Pokémon dominants sont mis en place et... Eh bah ils ont quand même fait en sorte que le dénouement soit la ligue Pokémon, pas une version alternative comme les arènes et les Pokémon dominants. Juste la ligue Pokémon en elle-même. La véritable impression qui se dessine, c'est que Game Freak fait les choses à moitié histoire de contenter tout le monde, mais oublie qu'une fanbase est autant avide de nouveautés que de changements. Une mécanique peut être une nouveauté tout en restant dans ce qui est l'essence du jeu. Les Pokémon dominants sont un très bon exemple qui n'ont contenté personne, même si l'idée est intéressante mais trop peu exploitée. Autre artifice, les Ultra Chimères, qui sont des Pokémon et rien d'autre qu'une formule pour essayer de nous flouer. Bon, Soleil et Lune, c'est aussi l'arrivée des Z-Move, des capacités utilisable une seule fois en combat moyennant le port d'un objet. Mais c'est aussi l'arrivée des excellentes espèces alternatives de Pokémon qui vivent dans une région plutôt qu'une autre et en l'occurrence les formes d'Alola. Mais c'est aussi et surtout la fin des capacités secrètes forçant l'occupation d'un slot d'attaque dans notre équipe pour pouvoir se mouvoir tranquillement dans le monde. Les montures sont je pense la plus belle invention de cette génération qui, sans trahir les bases de l'exploration dans Pokémon, corrige une tare trop longtemps ignorée. Malgré tout ce que Pokémon a construit jusqu'à présent, ils ne sont pas encore sorti de cette phase incertaine où Game Freak essaie de trouver de nouvelles bases à la saga. Il est encore trop tôt pour juger la 8ème génération avec épée et bouclier. Pas mal d'annonces ont été faites qui divisent de plus en plus et pourtant, Pokémon a enfin le champ libre pour proposer quelque chose de différent. Ceci étant dit, niveau cohérence, on commence à s'y perdre un peu. La 8ème génération marque la disparition des méga évolutions et des attaques Z qui étaient deux mécaniques à la base montrées comme propres aux générations de sortie. Choix malgré tout ingénieux puisque nous aurons un mix entre ces mécaniques avec le Dynamax et une forme spécifique, le Gigamax. Mécanique qui va d'ailleurs être mêlée à la très bonne idée de casser la structure de Pokémon, avec notamment l'utilisation du Dynamax seulement en arène et les entre Pokémon. Ajoute d'ailleurs d'autres mécaniques plus orientées sur l'interactivité mondiale avec les raids qui sont des combats à 4 contre un Pokémon Dynamax, une forme assez réduite de coopération mais après tout pourquoi pas. Comme pour les méga évolutions et les attaques Z, je ne suis pas emballé par les Dynamax. En revanche, je trouve certains Pokémon révélés très originaux et j'espère surtout que la méta des combats va évoluer vers une scène encore plus variée que ce qu'elle n'est en ce moment. Alors la 8G, lorsqu'elle a été annoncée en février 2019, on ne savait pas grand-chose, mais j'avais envie de... Voilà, j'avais juste envie d'en savoir plus. J'étais pas trop gêné par l'aspect graphique, c'était cool. Voilà. Quand il y a eu le Pokémon Direct du 5 juin, j'étais totalement hypé. Et puis, il y a eu le 3. Et puis, comme on dit, là, c'est le drame. Et puis, j'ai appris la nouvelle, le lendemain ou deux jours après, qu'il n'y allait pas voir tous les Pokémon présents dans le jeu. Ou du moins qu'il ne serait pas possible de les transférer tous dans le jeu, donc de tous les avoir. Et en plus de ça, comme c'était pas suffisant, qu'ils allaient virer les méga évolutions et les attaques Z. C'est un peu moins gênant, mais quand même. N'apportez pas constamment des nouveautés de gameplay, c'est pour les retirer ensuite, sachant que Pokémon c'est un jeu qui... C'est une licence qui est censée évoluer au fil des générations et s'améliorer et pas régresser constamment. Et je dois avouer que ça m'embête vraiment. C'est-à-dire que, comme je le disais dans une question précédente, ce que j'aime dans Pokémon, c'est la liberté qu'on a de créer son équipe et de jouer comme on a envie de jouer. Et là, le fait que tous les Pokémon ne soient pas disponibles, encore une fois, je ne demande pas qu'ils soient tous capturables dans le jeu, ce serait absurde, mais au moins qu'on puisse faire des échanges, parce qu'il y a des gens qui... Il y a la Pokébank, qui est un service payant, je le rappelle, aurait pu les transférer. Et là, le fait qu'ils soient même pas tous modélisés dans le jeu et donc pas tous transférables, pour moi, c'est vraiment une honte, d'une, parce que je trouve ça honteux dans un jeu où il faut tous les capturer, qu'on ne puisse pas tous les avoir. Je trouve ça honteux parce qu'il y a quand même, encore une fois, je le disais, un service payant qui a permis de les transférer de plusieurs générations. Et là, c'est vraiment, et tout se faire voir, pour rester poli. Et comme je le disais, moi, d'un point de vue personnel, j'adore créer mes propres équipes. Et même si j'aime beaucoup commencer avec des Pokémon uniquement... de la génération du moment, là, de la nouvelle génération, j'adore aussi recréer des équipes ensuite avec tous les Pokémon que j'ai envie. Non, en vrai, j'attends rien de cette génération parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Et je pense que c'est dans la même... si c'est dans la même gamme que Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, il y aura un coup de gueule qui sortira de ma part. Parce que les légendaires ont été révélés, ils sont affreux, feignants, encore plus que Solgaleo et Lunala, et ils ont des noms, mais complètement à la ramasse. Le Royaume-Uni, bon... Le Royaume-Uni, je ne juge pas, ça peut être une bonne région à explorer, et si c'est genre le Royaume-Uni pendant la...
pendant la révolution industrielle, franchement, il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable. Mais actuellement, le seul truc qui m'a fait un tout petit peu sourire, pas hypé, pas rien, genre juste sourire, c'est le corbeau. Le corbeau de la 8G. Il est vraiment stylé, il n'y a rien à dire. Corbos, il a vu ce corbeau-là, il a fait... Ouf, ouf, toi t'es chaud, toi. Clairement, ça, je sais pas si je peux dire le nom, mais Corvellus, le corbeau de la 8G, est clairement le Pokémon le plus stylé que j'ai pu voir pour le moment. J'espère que les autres seront du même niveau, parce que les légendaires sont complètement loupés. Hein. Trop tôt pour se prononcer au moment où on écrit ces lignes, même si on a tous un peu peur, on peut cependant encore un peu fantasmer sur l'avenir de Pokémon, de ce qu'il doit devenir, et de l'esprit critique qu'on peut lui donner pour aller dans ce sens. À l'avenir, Pokémon va grossir selon deux axes pour moi. Horizontalement d'abord, c'est-à-dire en développant de nouvelles générations de Pokémon pour de nouvelles régions dans de nouveaux jeux encore et encore. Pokémon va aussi grandir verticalement, donc en capitalisant sur ce qu'il est déjà. Le futur de Pokémon au-delà de la 8G, honnêtement, il m'inquiète. En toute honnêteté. Pour deux raisons. Déjà parce que vu comment est annoncée la 8G et vu ce qu'ils ont dit pour les prochaines générations, c'est-à-dire que ce principe d'absence du Pokédex national qui serait le cas à chaque fois pour les générations à venir, moi ça me gêne vraiment. Si c'est le cas à chaque fois, ça voudrait dire que la 7G sera ma dernière génération et ça m'attriste très sincèrement. Au-delà de ça, au-delà donc des générations, on va dire de la 9G qui sortira dans très longtemps, j'espère, au-delà donc de ça et de vraiment cette absence du National Dex, j'ai peur que l'aventure soit de plus en plus inintéressante, on va dire, pour les adultes. C'est vraiment une régression pour moi. Mais ce qui me gêne à la rigueur le plus, parce que de toute façon, vu comment c'est parti, de toute façon, les générations... Je risque de plus y jouer, hein, à regret. Mais j'ai vraiment peur que tout passe uniquement par des applis mobiles pas très intéressantes. Genre Pokémon Master qui a été annoncé, j'ai peur que ce soit... pour eux, ils disent, bon bah on a le Pokémon mobile, pourquoi faire un autre Pokémon sur Switch, un spin-off, alors que de toute façon, maintenant, on pouvait développer à moindre coût, avec des achats in-game, ainsi de suite. Donc j'ai vraiment peur qu'en plus, pour les générations à venir, il n'y ait plus de spin-off et donc plus de jeux... pas forcément plus intéressant, mais complémentaire en termes de gameplay, parce que différent. Et ça m'inquiète vraiment, donc je suis particulièrement inquiet pour le futur de Pokémon. Nouvelle génération, remake, version complémentaire. Et on y retourne. Pourquoi changer après tout? Parce que ça marche. Et j'ai même envie de te dire qu'on va tendre de plus en plus à supprimer les remakes. Pourquoi? Parce que tu peux pas remaker à l'infini. Le futur de la franchise, ce sera nouvelle génération, version complémentaire. Alors, sûrement que le futur de la génération Pokémon se portera très bien, mais ce sera sans moi. Pensez-vous que Pokémon devrait considérer son ancien public? Et c'est une question tout à fait paradoxale, parce que d'un côté, oui, ils considèrent déjà leur ancien public, n'en preuve les remakes, n'en preuve les méga évolutions qui font revenir sur le devant de la scène des Pokémon des anciennes générations. N'en déplaise les versions Alola qui sont toutes des versions de Pokémon de la première génération. Fenard, Sablero, Rattatak, Pikachu, Raichu, des Pokémon de la première génération qui ont perdu un tant soit peu d'aura et qui sont remis sur le devant de la scène avec les versions d'Alola. Donc, oui, Pokémon tient déjà à son ancien public. Et d'un côté, non, parce que ça fait 20 ans que le jeu n'a pas évolué. Ça fait 20 ans qu'ils veulent garder les mêmes mécaniques, ça fait 20 ans que les jeux se simplifient au maximum. Et si tu t'adresses à un public d'adultes, non, tu vas pas justement baisser la difficulté des jeux Pokémon, tu vas l'augmenter. Sauf que si tu l'augmentes, tu perds ton public de gosses. Et si tu perds ton public de gosses, tu perds 75% de ton merchandising, tu perds 75% de ton chiffre d'affaires, donc ça sert à rien. Donc oui, est-ce que Pokémon devrait considérer son ancien public? Il le considère déjà, mais je pense qu'il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Je pense qu'il y a un cahier des charges qui font que, ouais, il faut ramener les anciens, et s'ils mordent à l'hameçon, tant mieux, s'ils mordent pas, tant pis. Pour la bonne simple raison que les jeunes rapportent déjà la thune qu'il faut, tout simplement. Est-ce qu'en tant que fan de Pokémon, et on est obligé de tout pardonner à Game Freak? Ou plutôt, est-ce qu'en tant que fan de Pokémon, on se doit de ne pas critiquer les nouveautés, ou les décisions des développeurs, réalisateurs, on va dire ça comme ça? Et je pense que oui, c'est justement, j'ai même envie de dire, parce que l'on est fan, on se doit d'être critique envers la licence.
il ne faut surtout pas tout pardonner parce qu'on est fan, parce que ce serait vraiment absolument ridicule. Faut pas, je suis désolé de l'expression, mais il faut vraiment pas être un pigeon. Il faut savoir quand même être critique et se rendre compte quand quelque chose est mauvais. Être fan de Pokémon ne veut pas dire être un pigeon, ça marche avec toutes les licences. Être fan de Pokémon, ça veut dire que oui, on a le droit d'être critique envers la licence, on a le droit de ne pas pardonner certains choix qui sont totalement douteux, voire désastreux, hein, quand on voit certaines choses. Et j'ai même envie de dire, quand on est fan, on se doit d'être critique envers une licence. Certes, on a tendance à parfois être beaucoup trop, à être un peu trop agressif, même presque pour certains, mais il faut bien se rendre compte que quand on est fan, même si dans l'absolu les développeurs ne doivent rien, on est quand même en droit d'attendre de la qualité d'un jeu. Pokémon est quelque chose qui nous tient à cœur, et je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes toujours là, c'est que pour vous aussi. Que la série ait manqué de se renouveler ou que justement elle a changé ce qui était encore très bon, Pokémon est une part du jeu vidéo à part entière. Idée pas forcément originale à l'époque, mais pourtant extrêmement bien mise en place, et surtout sur une console vieillissante. C'est aussi un marketing de pointe dont de nombreux jeux s'inspirent encore. On a tous plus ou moins eu un déclin d'intérêt avec la saga, qu'il soit passé ou à venir, et ça nous coûte un peu de dire au revoir à une partie de notre vie de gamer. Je pense que malgré toutes les critiques que l'on fait au jeu, chacun de nous souhaite à Pokémon le meilleur, pour eux, mais aussi et surtout pour nous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On espère qu'on aura été assez exhaustif tout en évitant le pavé, parce que Pokémon, c'est un sacré morceau. Ce petit historique m'a énormément motivé à faire épée et bouclier, et c'est assez intéressant de voir comment Pokémon a évolué, en bien comme en mal, et surtout d'avoir autant de monde pour en parler. On va d'ailleurs, comme promis, vous faire un petit tour d'horizon pour remercier nos interviewés, en commençant par Elysion, qui tient une chaîne de review avec quelques sujets pas piqués des hannetons, et c'est super bien monté. On vous propose de voir sa vidéo sur les héros du jeu vidéo, où on apprend plein de trucs. Et puis, laissez-vous aller, ça se mange comme des petits pains. Pareillement, la chaîne de La Mèche est une mine d'or sur les JRPG, où il y a une émission spécialisée avec pas forcément les meilleurs de chaque saga. Et puis les flash-forward vers le passé, où vous allez voir double. Comprenez, lui et son... Enfin, vous verrez, chut, pas de spoil. Et enfin, Sliverick, qui parle comme vous en doutez de game design. Pas forcément que de jeux vidéo, mais de jeux de manière générale. Laissez sa voix suave et envoûtante vous raconter le monde de Pokémon tel un voyageur qui passe du univers en univers. N'hésitez surtout pas à aller voir ce que donne leur chaîne, ils étaient majestueux pendant leur interview, ils le sont mille fois plus sur leurs vidéos. Sur ce, nous, on vous dit à la prochaine, mais le plus tard possible.